Si je vous dis que depuis 6 mois, on a l'impression de vivre dans une purée de pois, d'être plongé dans un brouillard sale et inquiétant, même en plein jour, vous me comprenez? La crise, le Japon, les révolutions, les typhons, ça n'arrête pas. Et on a le sentiment collant que les puissants vont finalement s'en sortir, forcément. On broie du noir. Pourtant, il y a 3 mois, il y a eu une petite éclaircie. Ceci est un hold-up dans une banque à Madrid. Ouais, ouais, c'est nouveau. Pas d'armes, juste des danseurs. Marre d'être volé par les banques, dit la chanson. La sécurité prête à résister à toute attaque n'avait pas prévu ça. La vidéo a fait le tour du monde, on a souri et puis on s'est dit, bon, c'est fini. Mais 2 mois plus tard, Puerta del Sol, la porte du soleil, c'est peut-être aussi une métaphore. L'annonce d'une légère éclaircie. En tout cas, ça change. Ils ne cassent rien, ils en ont juste marre. Mais alors, marre. Marre du boulot ou du pas de boulot. Marre des hypothèques à vie, marre des dettes, marre d'être courbé. Gritan. Casi los debates. Mira, solamente ven. Con gente del PP, no lo entiendo. No, pero puedes hablar tú, cuéntame, ¿qué te parece esto? Esto, que a mí me parece que hacéis los debates con opiniones, con las mismas opiniones siempre. Pero esos son debates normales, yo le pregunto por debates normales siempre hay una opinión y otra. Y eso vale, es... y sobre la Asamblea Sol, lo que está ocurriendo aquí, ¿qué le parece es a usted? Es como que chupáis la polla entre vosotros todo el rato. Pero sobre la Asamblea, ¿qué es lo que te estoy preguntando? Genial, genial. Bueno, pues la Asamblea. I'm going to go to the next one.